Je m'appelle Arthur Gourin, j'ai fait Télécom Paris pendant 2 ans, puis j'ai choisi d'intégrer IFP School pour ma troisième année, donc dans le cadre d'un double diplôme avec Télécom Paris. Et j'ai intégré le programme Énergie et Marché, qui s'occupe de toutes les questions liées à l'économie du secteur énergétique et à la finance de projets énergétiques. Et je fais aussi donc une alternance dans une start-up qui s'appelle Enexflow Inti et qui s'occupe de questions de data engineering dans le domaine de la production d'énergie renouvelable et d'hydrogène par électrolyse. Donc ça me tenait à cœur d'avoir cette double compétence, Télécom Paris et IFP School, qui sont deux compétences orthogonales, mais en fait qui se croisent et qui peuvent faire des belles choses ensemble. Je m'intéresse depuis assez longtemps à l'économie et à la finance, je m'y intéresse de façon personnelle. Et j'avais envie de prendre des cours académiques sur ce sujet. Et donc là, c'était l'occasion à la fois de voir des questions du domaine de l'énergie, mais aussi d'avoir cet aspect économie, finance, et de prendre des cours vraiment structurés sur ces domaines. Alors d'après moi, l'IFP School a deux atouts majeurs. Le premier, c'est que la majorité des élèves fait soit une alternance, soit un apprentissage au cours de sa formation, ce qui permet d'acquérir une expérience professionnelle et pour peu d'avoir bien choisi l'entreprise où on veut travailler, c'est vraiment quelque chose de très enrichissant et qui donne une première expérience professionnelle qui est valorisée ensuite sur le marché de l'emploi pour la première embauche. Et le deuxième atout, c'est le fait que l'IFP School est une école très renommée dans le domaine de l'énergie. C'est pas forcément l'école qui fait la une des journaux tous les jours, mais dans le domaine, dans le secteur de l'énergie, pour les entreprises de ce secteur, c'est une école vraiment prestigieuse. J'aimerais avoir un métier qui allie les compétences que j'ai acquises à Télécom Paris et à IFP School, et donc ça serait un métier qui serait au croisement des questions de data science, data engineering et de marché, d'énergie et éventuellement de finance ou d'économie. Et donc ça peut paraître assez précis, mais en fait, il y a un panel de métiers assez large qui peuvent contenir, et j'en donne simplement un exemple. Ça serait par exemple trader en énergie. Donc, ce sont des personnes qui chaque jour échangent des kilowattheures d'électricité sur des marchés européens dans le but de minimiser le coût d'achat pour l'entreprise pour laquelle ils travaillent et d'avoir donc le meilleur prix et de réguler ce marché au niveau de l'offre et de la demande. Alors j'ai deux messages. Le premier, c'est que je recommande IFP School à tous les élèves qui seraient curieux du domaine de l'énergie et je recommande le programme Énergie et Marché à ceux qui seraient également curieux de l'économie et de la finance. Et le deuxième message, ça serait de bien choisir son alternance puisque comme je l'ai dit, c'est un point clé, de la formation et donc il faut prendre le temps de bien la choisir pour ne pas s'ennuyer ensuite dans l'entreprise et pour acquérir le maximum d'expérience, dans cette alternance.